Serrano, yo soy Ana. José y Nacho. Y estamos con vosotros en Giga. Giga. Il y a quelques semaines au Zénith, le groupe espagnol Mecano fêtait la sortie de son nouvel album par un concert. Giga était là dans les coulisses pour rencontrer Anna la chanteuse et les deux frères Cano, Nacho et José. Je crois que notre musique englobe tous les genres et nous pouvons tout jouer en respectant le style de chacun d'entre nous. Con un estilo de cada uno, ¿no? Que son los que componen, pero no somos ni una banda de rock. Nous ne sommes ni un groupe de rock, ni de pop, ni de variété. Nous sommes plutôt d'un genre étrange. Somos un complejo extraño. Notre rencontre avec Anna n'était pas liée à la musique. Quand nous avons monté le groupe, nous la connaissions depuis plusieurs années. En fait, depuis qu'on était tout petit. Pour nous, c'est une fille très très gracieuse, mais alors très très dynamique. Vous pouvez nous présenter Nature Morte, votre nouveau 45 tours? C'est une chanson totalement imaginaire qui parle d'un pêcheur, d'un rocher blanc sur la plage qui lui rappelle la silhouette d'une femme. Une histoire simple avec des airs médiévaux et un petit peu fantastiques. Vous êtes le seul groupe espagnol à être connu mondialement. Comment le ressentez-vous? Nous sommes très contents et très flattés. Nous sommes pleins d'espoir et c'est pour cela que nous allons continuer à travailler afin de séduire un public encore plus large. Je n'ai la morale, là où le doute s'installe. C'est que ce geste se fasse sous la table, comme des sens, comme elle m'en vient à paix. Après les mains, la peau de tout le reste. Au fait, pourquoi Mecano? Il y a un jeu qui s'appelle Mecano, c'est un jeu de construction. Et puis nous on s'appelle Cano, donc c'est un peu tiré de là aussi. Oui, mais pourquoi l'avoir choisi? Nous ne savions pas comment nous appeler. Et le jour de la sortie du premier disque, il fallait bien mettre un nom sur la pochette. Et tous les noms qu'on a essayés, finalement c'est celui qui nous déplaisait le moins. C'est court, international, ça ne veut rien dire, mais c'est facile à retenir.